Bonjour à toutes et à tous, vous regardez Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2, avec aujourd'hui 4 nouvelles candidates pour jouer avec nous. Marie-Hélène, pour commencer, qui est venue avec sa fille Pauline. Bonjour Marie-Hélène, bonjour Pauline, bienvenue, elles viennent de Châteauroux. Elles seront opposées à Céline et Louisette ce matin. Céline et Louisette, qui viennent toutes les deux de Brive-la-Gaillarde. Bonne chance à toutes les quatre. Et pour présenter cette émission, mesdames et messieurs, merci d'accueillir Monsieur Thierry Beccaro. Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. J'espère que la journée a bien commencé. Nous allons continuer dans la joie et la bonne humeur. Voilà, parce que c'est un petit peu la devise de Motus. Bon, on essaie de gagner un peu d'argent, voire beaucoup parfois, mais on essaie surtout de passer un bon moment ensemble. Et visiblement, c'est ce qui se passe puisqu'on commence à bien s'installer dans le paysage audiovisuel. Je pense. Hein, puisque... 5700 et quelques émissions. Oui, mais ça a été long, Tom. Oh, on ça vous a aimé long. Tout de suite, Thierry. Il a fallu au moins 4900 émissions pour que... que les gens comprennent les règles, déjà. Et que moi, je commence à les intégrer. Ça commence à venir, hein. Surtout le numéro magique et tout ça. Bon, on va en parler justement de ce numéro magique avec Pauline. Pauline qui est venue avec sa maman, Marie-Hélène. Bonjour. Bonjour Thierry. Ça va bien Marie-Hélène? Ça va très bien. Alors vous venez de Châteauroux. Oui. Est-ce que vous travaillez Marie-Hélène? Non, je suis retraitée, j'étais institutrice. Et vous avez eu Pauline dans votre classe? Est-ce que ça vous est arrivé? Oui, en maternelle elle avait 5 ans. Ça s'est bien passé, c'est jamais simple, on dit que c'est pas simple. Si, ça s'est bien passé. Parce qu'en général la maman est toujours un petit peu plus sévère avec... Ah non. Non, pas vous. Non. Voilà, pas vous. À 5 ans, Thierry, en maternelle, pas trop sévère, normalement. Oui, déjà. C'est oui, après. Oui. Ouais, je trouve un peu Pauline très discrète hein, sur le Non, pourquoi? Ça va bien, Pauline? Oui, très bien. Vous travaillez, vous? Je suis étudiante en histoire. Bon, et vous jouez avec nous pour la première fois. Bah, c'est bien, voilà, une histoire de famille entre Pauline et sa maman, Marie-Hélène. Louisette, Céline, bonjour. Bonjour. Ça va, Louisette? Ça va. Je sais, c'est que ça pourrait aller mieux. Vous êtes un peu tendu, un peu ému peut-être. Tout à fait. Vous le regardez depuis longtemps, Louisette? Quand je ne travaille pas, oui. Bon. Sinon, vous pouvez enregistrer. Sinon, en replay aussi. Vous allez en replay. Vous allez sur Plus TV. Voilà. Plus. Plus. Je fais exprès. The Plus. Vous travaillez, Louisette? Oui, je suis professeure dans un lycée professionnel à Brive-la-Gaillarde. Voilà. Qu'est-ce que vous enseignez, Louisette? Les lettres et l'histoire, géo. Bonjour Céline. Bonjour. Ça va à Brive-la-Gaillarde également? Voilà. Votre métier, Céline? Je suis également enseignante dans le même lycée que Louisette, nous sommes Et collègues. Alors votre domaine, c'est? L'anglais. L'anglais. Parfait. Céline, Louisette, voyons justement la grille, puisque je vous parlais des numéros magiques. La grille qui vous rapportera 100 points si vous prenez quelques bons numéros et si vous tombez sur le 41, vous pourrez continuer à jouer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, si vous prenez une boule noire, vous continuez. Même chose pour Marie et Céline, Marie-Hélène et Pauline, tout va bien. Je fais des croisements de prénoms. Tom, vous avez une petite cagnotte à nous proposer? Oui, Thierry. 1000 euros à gagner aujourd'hui en super partie pour les gagnantes. Et, parce qu'on pense que ça va s'arrêter là, mais il y a toujours un petit truc en plus, regardez. Et Goliath vous offre Seat Pets, une peluche ultra douce pour partir en voyage en toute sérénité. Elle s'attache à la ceinture de sécurité et accompagnera les enfants tout l'été, Thierry. Merci Tom. Marie-Hélène, Pauline, vous voyez, petite précision importante, mais vous l'aviez noté, mais je tiens quand même à y revenir. Votre numéro magique? Le 10. C'est le numéro 10. 10. Oui. Ah, oui, je vous l'avais dit.
Donc c'est le 10. Céline, vous avez choisi des mots de 8 lettres. 8 lettres. Eh ben, on commence tout de suite. Bonne chance, Céline. Voici la lettre F. Phagocyté. F-A-G-O-C-I-T-E. Alors, on va vérifier, mais déjà un petit participe passé, on aurait préféré. C'est ça, faites-moi des petits signes. Comme ça ne fait si, pas comme ça, Thierry. Comme si c'était l'école du mime. Ça commence par PH. Ah, voilà, c'est ça, en fait. Comme ça, c'est clair, Céline. PH. Marie-Hélène, la lettre bonus, la voici. Foutaise, F-O-U-T-A-I-S-E. Figurant, F-I-G-U-R-A-N-T. Français, F-R-A-N-C-A-I-S. Fignoler, F-I-G-N-O-L-E-R. Marie-Hélène, vous mélangez, vous prenez le 10, c'est le numéro magique. Ou alors un autre numéro. 20. Le 20. Pauline. Marie-Hélène, nous cherchons un mot de 8 lettres qui commence par la lettre N. Négatif, N-E-G-A-T-I-F-S. Nouille, N-O-U-I-2-L-E-S. Natation, N-A-T-A-T-I-O-N. Marie-Hélène, ça va tout seul. C'est de la rigolade. Marie-Hélène, vous mélangez, s'il vous plaît. Le 10 vous attend. Pauline. 44. Vous avez 100 points pour l'instant et c'est à Pauline de jouer avec la lettre D. Douille, D-O-U-I-2-L-E-S. Douaire, D-O-U-A-I-R-E-S. Dernier, D-E-R-N-I-E-R-S. Dépeigné, D-E-P-E-I-G-N-E. Dépliant, D-E-P-L-I-A-N-T. Parfait. Parfait. Le 56, Marie-Hélène, vous permettrait de marquer 100 points. Déjà. Non. Ah si, je le savais. Moi aussi, je le savais. Vous le saviez? Ah oui? Ah oui, oui, oui. Ma petite fille m'appelle Mamie la Poisse. Qui vous appelle Mamie la Poisse? Soisic. Ma petite fille, oui, parce que j'ai toujours des petits trucs comme ça qui m'arrivent. Bon, voilà, c'est quelques petits détails de la vie personnelle de Marie-Hélène. Moi, non, je ne vous appellerai pas Marie Lapoisse. Non, ça, certainement pas. Pas ici, madame. Céline, là, il faut marquer, hein, avec la lettre E. Alors, encodé E-N-C-O-D-E-E-S. Éprouvé. E-P-R-O-U-V-E-R. C'est trop rapide, hein, Louisette. on va pas y arriver. Hein. Écolière. E-C-O-L-I-E-R-E. Ils sont venus dans la même voiture, Thierry. Écorné, E-C-O-R-N-E-E-S. Écorché, E-C-O-R-C-H-E-R.
Eh ben, je vais vous le dire, on l'a pas volé le mot. On l'a bien mérité. Bon, vous essayez d'aller un petit peu plus vite, hein, parce que sinon, après, je les connais, la main va. On va passer la main. Ça. Oh. Ah. C'est le Très-Haut qui vous a puni. Ah, Marie-Hélène, c'est à vous de jouer. Mondaine, M-O-N-D-A-I-N-E. Marasme, M-A-R-A-S-M-E-S. Marmotte, M-A-R-M-O-D-T-E. Le 56. Marie-Hélène. Alors, oui, qu'il n'y a pas de mamie la poisse. Tous ceux qui vous appellent comme ça, regardent ce que vous venez de faire à l'instant. Vous venez de prendre le numéro magique. Oui. Allez-y, Pauline. Vous mélangez, s'il vous plaît. C'est ça, c'est dans les règles. 32. Et c'est à vous de jouer, Pauline. Nous cherchons un mot de 8 lettres, commençant par la lettre V. Valable, V-A-L-A-B-L-E-S. Vaudoise, V-A-U-D-O-I-S-E. Verbal, V-E-R-B-A-L-E-S. Verdâtre, V-E-R-D-A-T-R-E. Alors, là, il y a du motus dans l'air, là. Je ne sais pas pourquoi je le sens. Le 40, le 56. Allez-y, Marie-Hélène. Le 16. Ouais, c'est pas fini. Pauline. Le 6. Ah. Non. Ah. Ça sera pour plus tard. Pauline, nous cherchons un mot qui commencera par la lettre P. Pochette, P-O-C-H-E-D-T-E. Poulaine, P-O-U-L-A-I-N-E. Poirier, P-O-I-R-I-E-R-S. Ponceuse, P-O-N-C-E-U-S-E. Ponctuée, P-O-N-C-T-U-E-R. Ponctuel, P-O-N-C-T-U-E-L. Marie-Hélène, vous pouvez mélanger tranquillement puisque vous avez le numéro magique. Vous voyez, moi, j'avais un coup d'avance. En fait, oui. J'avais prévu le motus pour la fois précédente. En tout cas, bravo, vous menez 400 à 50. Ça va être un peu juste, Louisette, Céline. Bien que la partie ne soit pas encore terminée, on va voir ça dans un instant, il faut d'abord changer les grilles. Et on joue juste après avec vous, Pauline. Bon, Louisette, Céline, il y avait un bon rythme. Il y avait un rythme. Malheureusement, vous avez commis l'erreur d'entrée avec phagocyté. Ah ben on a tout mis sur le rythme, on a oublié l'orthographe. Ouais. C'est vrai que moi, j'aurais fait pareil. Et pour Marie-Hélène, votre vie va changer, Marie-Hélène. Oui. C'est terminé, mamie la poisse et tout ça. Vous allez voir. Hein, Pauline, ça va changer à la maison. C'est à vous de jouer, Pauline, s'il vous plaît. Avec le dernier mot, Thierry, déjà. Ah oui, donc là, c'est... Ouais. Là, ça va être très, très compliqué, Louisette. Allez-y, Pauline. Courbette, C-O-U-R-B-E-D-T-E. Non, excusez-moi.
Un grand classique. On sait qu'on va aller en super partie, donc la concentration fiche le camp. Donc Céline, le C plus le A, ça donne... Un caroleur. C-A-2-R-E-L-E-U-R. Classique, Thierry, quand on sait qu'on va pas en super partie, ça y est, on se déconcentre. Hein, c'est ça, on n'en a plus rien à faire. On dit, bah, de toute façon, j'ai plus envie de jouer. Allez, tiens, et allons-y, bon. Proposons des mots de 9 lettres, de 10 lettres. Hein, voilà, alors Louisette qui espérait quand même terminer en beauté cette partie, terminée. Mais parachevons le chef-d'œuvre. Marie-Hélène. Coudray, C-O-U-D-R-A-I-E. Cambrure, C-A-M-B-R-U-R-E. Cambouis, C-A-M-B-O-U-I-S. Et ben voilà. Ben pour une première, c'est pas mal. Ça fait quand même 500 points à Marie-Hélène. Pauline, bravo. Vous êtes, il faudra qu'on se revoie. Peut-être. Peut-être que vous n'avez pas joué suffisamment. Concentré. Puis quand vous jouiez, vous preniez votre temps. Alors donc, avec vous, on trouve 5 mots dans la partie. Hein. Eh oui. La prochaine fois, vous revenez et on joue un petit peu plus vite. D'accord. On a des cadeaux pour vous, Céline. Regardez. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée d'un vanity case assorti. Et SodaStream vous offre la source, machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Découvrez plus de 30 saveurs concentrées SodaStream. Dis donc mon petit bonhomme, il faut pas rester sous les caméras. Hein. Attention. Il y avait Max qui a besoin de s'abriter sous les caméras, je ne sais pas. Max, qui est notre régisseur, qui s'occupe du plateau, des petites friandises pour vous accueillir et tout ça. Et donc, parfois, il a besoin d'un peu de protection et il va se cacher sous les caméras. Je ne sais pas pourquoi, c'est inexplicable. Il faudra qu'on me dise. Céline, vous avez des amis à embrasser ? Alors, je crois que là, plus personne ne me connaît après ce passage calamiteux. J'avais des amis, mais... Mais détrompez-vous. Vous avez certainement marqué beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Oui. Ah oui, donc elle n'a pas d'amis, effectivement. Effectivement. Puisque... C'est vrai, Thierry, elle n'a pas d'amis. Bon, j'ai des enfants qui peut-être me reconnaîtront quand même. Et qui bah, sinon, ça va leur faire bizarre quand vous allez rentrer à la maison. Quoi, ils ne connaissent pas. Joël et Caroline. D'accord. On a des nouvelles ? Ils ont appelé, non ? Ils ont changé la serrure. Malheureusement. Louisette. Alors, ma fille Yurika, bien sûr. Ma tata Nénette, qui regarde depuis 25 ans Motus. Tata Nénette. Tata Nénette, oui. Et surtout nos élèves qui nous avaient bien encouragés. Je pense que le retour va être difficile. Mais... Qu'est-ce qui se passe ? Le lycée vient d'être fermé. Effectivement, on va fermer bientôt lycée pour les examens. Lycée professionnel fermé définitivement. Bravo Louisette, bravo Céline. Merci. Vous restez avec nous pour la super partie. Il y a 1000 euros à gagner aujourd'hui. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur le net motus.france2.fr. Et pour nos prochaines sélections, retrouvez-nous le mardi 24 juin à Dijon, le mercredi 25 à Nancy et nous serons également le jeudi 26 à Reims. Alors n'hésitez surtout pas et composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou rendez-vous sur motus.france2.fr. Et nous sommes de retour avec Marie-Hélène et sa fille Pauline. Vous allez tenter de gagner 1000 euros minimum à condition de trouver 10 mots de 8 lettres. Et vous avez 4 minutes 30 pour y parvenir. Je vous souhaite bonne chance. Merci Thierry. Coudray, C-O-U-D-R-A-I-E. Compagne, C-O-M-P-A-G-N-E. Roumaine, R-O-U-M-A-I-N-E. Rentière, R-E-N-T-I-E-R-E.
réactiver. R-E-A-C-T-I-V-E. Réactive. R-E-A-C-T-I-V-E. Réacteur. R-E-A-C-T-E-U-R. Boulet. B-O-U-L-A-I-E-S. Bonbonne. B-O-M-B-O-N-N-E. Boiteuse. B-O-I-T-E-U-S-E. Bourbonne. B-O-R-B-O-N-N-E. Boxeuse, B-O-X-E-U-S-E. S. Ouais. Bamboche, B-A-M-B-O-C-H-E. Pour dire un mot. Il y a deux orthographes. Oh eh oui. Garantie, G-A-R-A-N-T-I-E. Garantie, G-A-G-R-A-N-T-I-S. G-A. Garantir, G-A-R-A-N-T-I-R. Écolier, E-C-O-L-I-E-R-S. Enfoui, E-N-F-O-U-I-E-S. Enfourner, E-N-F-O-U-R-N-E-R, N-E. Étudiant, E-T-U-D-I-A-N-T. Éraflure, E-R-A-F-L-U-R-E. Une minute trente. Mécanisé, M-E-C-A-N-I-S-E. Mondaine, M-O-N-D-A-I-N-E. Méconnu, M-E-C-O-2-N-U-E. Poulaine, P-O-U-L-A-I-N-E. Pratique, P-R-A-T-I-Q-U-E, pardon. Partisan, P-A-R-T-I-S-A-N-S. Oh. Partisan, P-A-R-T-I-S-A-N. Pastèque, P-A-S-T-E-Q-U-E. Lointain, L-O-I-N-T-A-I-N. Lombaire, L-O-M-B-A-I-R-E. Lombarde, L-O-M-B-A-R-D-E. Loubarde. Ah. C'est ça, madame. C'est ça qu'on cherchait, c'est la loubarde. On a perdu beaucoup de temps sur bonbonne. Oui. Oui, il y a deux orthographes. Oui, et on a vu apparaître la Bourbonne, la fameuse université. J'ai étudié à la Bourbonne. Oui. Donc bonbonne, il y a deux orthographes, oui, voilà. Oui. Et ça vous a causé pas mal de soucis. Bon, il y avait 1000 euros, Marie-Hélène, Pauline. Il y aura 2000 la prochaine fois, car nous aurons le plaisir de nous retrouver. Et j'espère que vous partagerez ce plaisir avec nous sur France 2. Et nous sommes là, vous le savez, du lundi au samedi pour vous accompagner. Bonne journée, à bientôt.
Vous pouvez continuer à jouer avec nous sur le site motus.france2.fr, mais également sur l'application mobile et tablette.